Et coucou YouTube et bienvenue pour le retif de ce live. Oh, zinzolin. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, hein, je discutais avec mon chat. On est retour pour le Not So Berry. C'est l'hiver, il neige à gros flocons. Et une petite demoiselle avec le cul à l'air là-bas. Enfin, oui, demoiselle, si, demoiselle, parce que. Eh bien, je vais y arriver. Elle ne dort pas. Mais ils vont se coucher, les amoureux des bancs publics. Alors oui, c'est vrai! Si, on les avait fait faire crac-crac, mais on n'avait pas confirmé. S'il te plaît, tu peux confirmer la grossesse parce qu'on voit, il y a les flèches là, donc je sais, on sait déjà qu'elle est, elle est enceinte. Parce que dans ma tête, elle était enceinte, mais c'est vrai qu'on l'avait pas confirmé. Attention! Tududu! Attendez, que j'aille carrément dans les toilettes, la regarder. Regardez comme elle est belle! Alors? Le gros bidou! Les grosses fesses! Bah ici, on est chez l'écu, hein. Donc, on va manger pour 2, pour 4 ou pour 6. On sait pas trop. Allez, faire crac-crac! Pourquoi tu voulais te coucher dans ton lit de jeune fille? Donc tous tes membres de ta famille se sont barrés. J'espère que c'est une fille. Ouais, mais là, le mot violine, il veut pas Nightbot parce que y a le mot viol dedans. Faut pas chercher, hein. Je l'ai perturbé dans son... Non, pas de soucis. Demandez à YouTube s'ils veulent avoir le chat. J'avoue. Alors, YouTube, vous qui regardez la rediff, je sais que vous êtes là. Si vous ne regardez pas trop... Si vous regardez tout déjà, bravo et merci. Mais je voulais avoir une petite... J'ai une petite question pour vous. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Si en fait vous voulez avoir le chat Twitch affiché sur mon écran. Pour que vous puissiez suivre en même temps. Parce qu'en général, moi je lis ce que les gens me disent. Pour que vous arrivez à savoir à quoi je réponds et tout ça, c'est mieux. Mais est-ce que vous voulez le lire en même temps ou pas? Parce que si vous voulez le lire, il va falloir que je change... Et que je mette le chat sur mon truc. Après, ça peut vous bouffer une partie de l'écran qui est peut-être pas agréable non plus. Donc, à vous de me dire si vous voulez ou pas. Voilà. J'espère que... Ah bah oui, j'ai oublié. Elle est déjà en train de chialer, celle-là. Saloperie de chat, j'allais dire. Mais c'est pas un chat. Mince. Merci, Zazarp. Bienvenue à toi. Et merci pour ton follow. Donc, voilà. La prunette, elle est déjà en train de hurler. J'avais oublié son existence, l'espace un instant. C'est bon? Oh, elle a chié. Non, ah non, c'est pas elle qui a chié, j'ai oublié. Nuage qui pue, en fait. C'est un nuage qui pue. Vous savez, nuage de, nuage de paix, ben voilà, c'est elle. Je pense sérieusement à déposer plainte contre la séance qu'on a... Je peux. Bon, mais fais... Vas-y. Eh, tu vas fermer ta tronche, oui. Oh. Je crois qu'elle ressemble bien à notre prune qui est dans le chat, hein. Ce que vous savez pas... Oh, ça y est, elle pète, elle. Mais c'est quoi ces Sims dégueulasses? Il est 8h20... Ouais. Et tu travailles à quelle heure? Est-ce qu'on a une... Dans notre chat, on a une demoiselle qui s'appelle Prune. Et elle m'a dit, j'espère qu'est-ce que ta prune dans le Sobéry sera pas comme moi, parce que je pleurais tout le temps. Mais écoute, je crois qu'elle va te ressembler un petit peu. Niveau caractère, évidemment, je parle. Salut Garfield! À force de regarder tes désirs sur YouTube. Ah, rediffusion! Ah, ok. Ça me donne envie de faire ce challenge. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah écoute, amuse-toi bien en tout cas. Parce que franchement, il est cool. Il est cool. Je pensais pas, quand j'ai connu... Mince, j'ai oublié qu'il allait bosser, lui. Quand je l'ai connu, ce challenge, je pensais pas le faire, parce que je me suis dit, ouais, tout le monde le fait, il est trop mainstream et tout. Puis au final, il est plutôt, plutôt sympathique. 6645, ça va, on a un peu de sous d'avance. Tu vas sûrement pas prendre de bain. Non, tu vas chanter sous la douche, c'est mieux. Parce que je vous rappelle qu'il faut qu'elle ait 10 en chant. Et elle est même pas au 6. Oh là là, j'ai faim. Bah tu vas manger. Avant que ta gosse elle se mette à hurler encore de nouveau. Ah, vous voulez voir les petites nouveautés? J'ai fait une petite nouveauté. Bon, j'ai vu que Crime l'avait fait. J'ai dit putain, bah oui, je suis bête.
J'aurais dû le faire. Regardez qui est là! Regardez qui sont là! J'ai fait une petite séance photo avec ben, nos héritiers et héritières du Nod Sauberie. Donc, c'est normal, c'est pour ça qu'elle a le même décor, parce que je les ai sortis d'Outre-Tombe. Nous avons Pepper, hein, donc la matriarche, la numéro 1. Nous avons Bordeaux, ce mâle alpha, oméga, et ce beau gosse, tombeur, charme fou dont j'étais amoureuse, quand même, hein, faut le dire. Notre petit Pulcote, hein, voilà. Bon, il avait les yeux marrons, c'était son seul défaut, sinon il était très très super, c'était Pulcote. Et là-bas, nous avons notre petite Nuage qui fait sa belle gosse, et plus tard, ce sera son héritier qui sera aussi sur les murs. Je me suis dit que voilà, comme ça au moins on aura les héritiers qui sont présents à tout jamais dans le challenge, qui suivront en fait les générations de générations, les décorations, tout ça. Et c'est trop bien. Et j'avais ressorti quelques petites photos. Du coup, voilà, on a déjà les petites photos. Donc ça, on avait Bordeaux et sa maman. Mais j'ai refait une séance photo exprès pour pouvoir. Voilà, ça c'était bon, la Pulcote. Pulcote, jeune à l'université. Et là-bas, c'est la team des vieux. Donc Pepper et Seth. Brodo et Macy. Hein, c'est la team des vieux ici. Mais au moins, ils sont beaux ici. On va dire qu'on a retrouvé des vieux négatifs. Et on s'est dit, oh, bah, on va faire un beau tirage. Voilà. Donc ils sont maintenant désormais toujours avec nous dans le challenge, dans la maison. Voilà. Qui sont beaux. Mais oui, qui sont beaux! Ouais, bah ouais, j'avais jamais fait ça. Les banners, comment tu vas? C'est vrai qu'ils sont toujours sur ton dos en ce moment, ce Nightbot. J'avoue. Idée est bonne. Ouais, j'ai vu que Crème, elle avait fait. Je me suis dit, ouais, c'est bête, j'aurais dû le faire et tout aussi. Donc, du coup, bah, je suis allée sur mon petit, sur ma petite partie. Sur une autre partie, en fait. Je les ai pris dans des foyers que j'avais partagés. Et puis, j'ai fait des petites photos. Mon préféré, c'est Pulco. Ah, Pulcote. T'es fantastique, ce Pulcote, hein. Moi, je sais pas. J'avoue que Brodo, il était tellement charismatique que je l'ai kiffé. Il était tellement beau. Oh là là, puis il avait les yeux verts, hein, alors que Pulcote, il a les yeux marrons. Donc, c'est un problème. Vous savez que maintenant, les yeux marrons, pour moi, sont un problème, là, dans ce challenge. Dans une partie de JDR avec mon mec, j'ai choisi son nom de perso. J'ai choisi Viol sans voir que ça donnait à haute voix. Oh, ah, j'avoue, ça craint, Pauline. Enfin, c'est rigolo, mais. Pepper est la plus belle. Bah, Pepper, c'était presque la seule femme à un moment donné dans notre challenge. Donc, vu qu'on a eu deux héritiers mâles après. Nuage, c'est que la deuxième fille, hein. Moi, je triche pas dans ce challenge. Donc, selon qui gagne, pour Bordeaux, ça aurait pu être sa sœur. Mais comme on a fait la baston, c'est lui qui a gagné. Bah, tu pourrais tirer la chasse, non? Alors, elle va travailler dans une demi-heure et sa gosse pleure. Allez. Tu casses les couilles un peu, toi. Oui, je la renourris. Marie, elle serait la fée. Mais tu la nourris tout le temps? Zinzona revient beaucoup. Bah, peut-être alors, on verra. Fille améthyste, lila, violette ou sumire. Violette en japonais, garçon zinzolin. Bah après, on verra bien ce que ce sera. C'est quoi, JDR, c'est jeu de rôle? Bonne soirée, Cerisier, merci d'être passé. Pepper aussi, elle faisait de la malice avec tout le monde, même à géant. C'était une thug. Allez, elle va bosser. Et c'est là que. Elle bosse pas aujourd'hui! C'est trop cool! Alors. Est-ce que tu peux faire du sport en étant en cloque? On avait réussi à te faire, ouais. Ah bah quoi, vas-y. Oh mince. Tu vas faire ça. Tu vas faire du sport. Voilà, même en étant enceinte, on s'en fout. Parce que bon, il faut atteindre le niveau 10, on est au niveau 7. Et en chant, on est même pas au 6. Et il faut l'éducation. Bon, l'éducation, on est déjà au 3, hein. On n'a rien fait, hein. Allez, repousse les limites. J'avoue, il faut peut-être avancer sur... Ah bah voilà, en étant énergisée. Bon, elle n'est pas énergisée.
Par contre, elle a fait une sacrée flaque, la coquine. Elle est pas éreintée. C'est marrant, hein. Ouah ! Adonis est rentré du boulot, il a eu une promotion. Il est promu au poste de stagiaire en ingénierie. Il gagnera désormais 4 simflouzes de plus par heure, soit 28 simflouzes de l'heure au total. Il a carrément reçu en bonus 375 simflouzes. C'est très bien, mon beau. Tu peux payer, s'il te plaît, les factures tant que tu y es, puis après, tu iras manger. Pendant que Nuage est en train de courir pour améliorer son score en fitness. N'avance pas trop, hein, on va pas se cacher. C'est pas l'éclate! N'empêche, entre Pulco et elle, deux fois le truc sport à fond, c'est un peu chiant. Par contre, il se met à chanter, lui. D'accord. Ouais. On préfère encore quand c'est ta copine qui chante, hein. J'allais dire sa femme, mais ils sont pas encore mariés. Je vais les fiancer. T'en as marre? Ah oui, elle va être... Oh, je suis éreintée. Oh là là, je suis éreintée. Fais voir. Tu vas être lavée. Tu vas être lavée, tu vas te prendre un bon petit bain de mousse, là. Bien comme il faut. Et Adonis, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais tu vas préparer à manger. Ah, c'est vrai que depuis que je suis pas encore habituée à cette nouvelle cuisine refaite, parfaite. Tu vas servir le dîner. Allez, des raviolis chinois aux légumes. Je crois qu'il y a encore de la bouffe, mais bon, ça le fera s'occuper. Lui, il doit faire quoi déjà? C'est vrai, j'ai oublié. Bidouiller quelque chose sur la station. Et avoir compétence 2 en robotique. Très bien. Bah, il ira. Il ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Éducation, ça monte super vite. J'avoue. Ah, putain. Faut pas te taire, non? Saleté! J'aime. C'est toujours passion bébé avec moi, hein, vous avez remarqué. Elle est quel niveau? 4? Oui, c'est pas énorme. Ok. Bah écoute, non, tu vas t'occuper de ta fille, toi. Un coup. C'est vrai qu'il s'en est même pas occupé encore, je crois. Donc tu vas... Donc ta femme est dans le berceau? Dans le berceau. Dans le bain, dans le berceau. N'importe quoi. Tais-toi! Prune! Du coup, des idées pour déterminer l'héritier sans faire de vote traditionnel. Peut-être que tu as dit encore cette fois. Oui, comme ça, tout le monde va râler en disant « Ah non, franchement, j'aurais préféré que c'était machin !» On verra. Attendez, la génération prune, je vais aller regarder rapidement. Alors, Sims aux multiples talents, génie réussissant à s'engager. Super. Machine à danser. Employé de fast-food, docteur artiste. Alors... Écoutez, il n'y a pas de... À part la danse... Et encore... En plus... Non, parce que là, maximum dans la compétence danse. Donc déjà, il va falloir danser de ouf. Ainsi que deux autres compétences de votre choix. Atteindre moins le niveau 8 de 6 compétences. Mais ça va être horrible. Ah, ça va... Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais à part la danse, vous savez, on peut les faire danser en même temps ou faire des duels. Mais est-ce qu'il y a vraiment une victoire à avoir derrière? Je ne sais pas. On verra bien. D'ici là, on trouvera peut-être une idée. Duel de danse. Ouais, voilà, c'est ce que vous dites, battle de danse. Peut-être, on verra. Quand on y sera. Pour l'instant, je me concentre sur la grise parce qu'on n'est pas gagné. On n'a pas fini, hein. Bah lui, il a pas faim. Mais tu peux venir discuter avec ta meuf, tiens, tu vas lui offrir une rose. Hein, que un Pakistanais t'a vendu dans un restaurant. Oh! Lui, il est en geôleur, il n'en peut plus. Complimenter l'apparence. Être désirable. Oh oui! Allez! Allez! Allez, les amoureux. Ah,
fait beau. Excusez-moi, hein, je fais des photos, c'est, je suis obligée. Je suis obligée pour un moment comme ça, j'aime beaucoup. Comme ça, vous le voyez aussi. Des fois, ça sert de miniature après, et vous voyez comment je fais ma miniature. Quand je suis en épisode en train de tourner, bah, des fois, c'est ce que je fais. Hein. Oh, est-ce qu'elle va dire oui? Attendez, je coupe quand même le... Alors, on va mettre sur... Salut, Miou, comment tu vas? Et la gosse, elle est encore en train de chier. la relou, elle chie tout le temps partout. Qu'est-ce que j'en ai marre? Peinture, ça passe vite et ça rapporte. D'habitude, on fait quand ils sont vieux. Oui, bah c'est ça. C'est pour ça, il faut être. J'ai envie de les marier un peu quand ils sont jeunes, tu vois, pour une fois. Donc voilà, ils sont fiancés maintenant. Putain, elle a refait encore, mais. Oui, il a pas fini sa bouffe, tu me diras. Bon, tu vas manger ça. Et puis. Puis la journée est déjà finie. Mais dis donc, ça passe vite. Mais il est parti se coucher. Mais attendez, je veux te faire crac-crac avec ta chérie. Faut que vous fêtiez vos fiançailles quand même, là. Allez, fais crac-crac avec Nuage. Mon Nuage, tu finis ton assiette? Eh. J'ai à lui se déplacer. Oh chérie, t'as vu? Est-ce que tu veux pas le PSK dans mon slip? Ça va bien, Miou, ça va bien. Ça va bien, on gère là, le petit notre Soberry. Et un petit Nubu qui est en préparation, qui est dans le four. On attend que la cuisson soit faite pour voir si c'est bien cuit ou pas. Si c'est pas raté, on sait pas. Et une battle cuisine avec le même niveau de compétence, on voit qui a fait un plat excellent ou pas. Bah en fait, je sais pas si ça vaut le coup parce que c'est soit médiocre, soit normal, soit excellent. J'ai peur que ce soit toujours excellent, tu vois, donc... Elle est très joueuse, mais bon, elle est enceinte, donc elle ne pourra pas mourir. Voilà, ça fait dodo. À mon avis, la gosse, elle va pas tarder à hurler. Saleté. Bon, t'accouches quand? C'est la meuf qui est déjà... Bon, t'accouches quand, là? On en a marre, déjà. Non, c'est où? C'est... Attendez, je sais plus. Ah! Bah oui, c'est vrai que c'est en pleine nuit, là. Dans 6 minutes, deuxième trimestre, ce sera en pleine nuit qu'elle va accoucher. À 3h40 du matin. Troisième trimestre dans 24 heures. Donc on a encore le temps. On a encore le temps, ce sera jeudi. Bon après, si les journées passent très vite parce qu'ils sont en train de bosser, ouais, ça va être rapide. Et putain, je le savais. Je le savais. Je l'ai dit qu'elle allait hurler. Je le savais qu'elle allait hurler. Zapho. Elle a encore faim, hein, mais Nuage, t'arrêtes pas de bouffer. Hein. Ouais. Déjà niveau 4 de l'éducation. Oh, c'est parfait. On va faire tellement de gosses qu'elle va avoir le niveau 10 rien qu'en s'occupant des bébés. Celui qui meurt en dernier dans une piscine. Oh! Ça, c'est assez radical hein, quand même. Hein. Mais pour l'instant, on va profiter de Nuage et de sa génération. Putain, mais... À quel point elle est perverse, cette gosse? Je m'en doutais, hein. C'est pour ça que je l'ai fait rester longtemps, hein. Saloperie. Ouh, comment ça me plaît, hein, moi je vous le dis. Oh, il va y bosser? Ah bah, tu vas partir. Tu n'es pas mon Sims actif, donc tu vas partir. Tu vas manger. Tu vas te doucher, tu vas pisser. Tout ça, tout ça. Oh, cette cuisine, j'en reviens pas. Elle est tellement mieux maintenant. Ah, faut bien que je m'auto-congratule des fois quand même. Regardez comme ils sont beaux. Oh, Bordeaux. Oh, Bordeaux, tu me manques. Bordax. Oh, Kamabou. Medinabou, Nabou. Tinaboubou. C'est que fou. Salut, Ombre Queen, comment ça va? Eh, hey, salut, Elios. Il y a full ce soir. Elle a dit beau mal. Bah oui, mon Bordeaux.
Oh, c'est déjà Noël demain? Oh. Quoi, tu veux pas les pisser? Bah, écoute, c'est toi qui vois. Hein. Elle va bosser. J'ai oublié de lui faire travailler sur... Merde. J'ai complètement zappé. I have completely zapped. Travailler dur. Oh, elle doit pisser. Allez, c'est à la chaîne, là, aujourd'hui. À la chaîne. On a de la chance. Ah bah tiens, Minnie. Oh, bah Minnie, j'ai entendu parler de tes fiançailles. Regardez comme elle est choupette. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait belle. Pourtant, je l'ai pas lookée, hein, promis. Hein. C'est peut-être sa tenue de gala qu'effectivement, elle s'est habillée. Elle a voulu se faire belle. Donc on bosse aujourd'hui, hein. Ouais. 3h. Salut, donc à Caillou. Mon PC est mort, je travaille actuellement sur un projet de programmation. Je crois que tu pourrais utiliser les utilisateurs de la convention geek pour terminer. Bah vas-y, tu es seul, non? Nous on travaille, hein. T'as qu'à aller avec ta femme aussi, hein. Elle pète, j'en peux plus. Salut Pauline, à bientôt. Voilà, Team Rediff, tout à fait. Je buffe un burger fait maison. Allez, arrêtez. C'est l'anniversaire de Prune. Que le temps peut passer vite. La déception arrive. Déception is coming avec Prune. Vous allez voir. Circumambulation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Non, je suis pas d'accord. Faut des mots qui existent. Non. Oh, vous abusez. Vous êtes méchant avec moi. Allez. Est-ce que là, je suis pas sûre qu'elle puisse faire du sport. Oh, si, elle peut. Ah, oh, vas-y, va t'entraîner. Puis il faut qu'elle repousse les limites en étant énergisée. Mais... Bon, je te propose de le mettre dans l'archéologue. Attendez, c'est où c'est là? Ah, c'est quoi ce mot de malade mental? Je suis pas d'accord. Moi, je veux des mots normaux. Je sais même plus ce que c'est. Circuit. Q. Mon. Bulation. Et vous, dans la rediff YouTube, vous connaissez ce mot? Ah, ok. Bah, de toute façon, archéo numéro 8, évidemment. Parce que celui de demain, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le partager, mais il est évidemment dispo. Eh merde, elle est en train de chialer, la gosse. Oh, crotte. Hein. Allez, va bosser. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des plaques. Regardez-moi cette cheerleader qui s'est fait engrosser, là. Franchement. Oh, et c'est bon, Minnie. Hein. Casse-toi. Je suis horrible. Je suis une connasse. Elle travaille dur. Tu vas discuter avec les collègues. Là, ça avance très très vite. Faut que je fasse attention. Ah, les enfants, vous allez pouvoir déjà vous donner votre avis. Délai imminent. Nuage a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-elle faire? Elle se doit se clasher dans un placard ou demander de l'aide? Bon. Moi, je dirais plus demander de l'aide, mais c'est vous qui choisissez. Une grenouille, c'est une manière de marcher, je crois. D'accord, bah je verrai de toute façon la signification. Donc, pour pas, bien sûr, le caser au bon moment, tu vois. Demander de l'aide, on est d'accord. Allez, go. Gain de performance petit. C'est toujours mieux que rien. Mais tu pleures. Oui, je pleure. Mais elle pleure, mais elle est pas là. Tu discutes avec tes collègues? Il a amené 252 simflous et prunes et rentré de la garderie. Elle ne part plus. C'est fantastique. Ça va bien, Adonis. On dirait qu'il est bourré. Magnifique. Ben écoute, Adonis, c'est parfait. Divertissement. Toi, on va te faire bosser par contre. Là, tu rentres tôt. Tu vas regarder la télé. Après, tu vas manger. Et après, tu vas bidouiller. Voilà. Parce qu'il faut que, voilà, on va découvrir la carrière aussi, quoi. Parce qu'on l'a mis en carrière ingénieur, donc on va en profiter pour découvrir cette carrière, parce que je ne l'ai pas faite nulle part. Allez, hop, ouais, c'est ça, ça va bouffer. Et là, qu'est-ce que... Je crois qu'elle va se faire enlever, Prune.
J'ai jamais eu d'enfant. Non, c'est bon. T'en occupe pas. J'ai jamais eu d'enfant qui s'est fait enlever par les services sociaux, je vous le dis direct, hein, dans les Sims. Jamais. Ah, mais quel relou! Elle a froid, elle veut qu'on la foute au feu? Saleté. Elle va bidouiller, bidouiller. Son nuage va rentrer. Ah là là, je vous jure. On aura le temps de rien, là. Ça, on va passer sur très très beaucoup de journée, je le sens, parce que ça passe très vite, là. Bon, elle a pas forcément amélioré son taf, hein. 273 Simflouz. C'est quoi, ça? Bah, tu fais peur. Casse-toi de chez nous. Alors, la cheerleader en gros, c'est... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Très bien. Bon bah tu peux rentrer manger, hein. Voilà. C'est, d'accord. Je vous rappelle que Nathalie, elle s'est aussi battue avec quelqu'un sans qu'on le voit. Et on ne sait pas pourquoi. Quelques temps avant de mourir, elle s'est battue. Donc, tu te dis ok, tout va bien. Oui, le... Adonis est très beau gosse et tu peux le retrouver sur la galerie. Il a été partagé pour moi sous le hashtag NotSoShirley. Je ne sais plus qui l'a créé, mais c'est quelqu'un qui l'a créé dans mes abonnés, qui l'a créé pour ce challenge. Donc voilà, donc tu peux le retrouver dans la galerie, tout simplement. Qu'est-ce qu'il aura pris? Je ne sais pas, c'est même pas la journée de la bagarre, donc je ne sais pas. En parlant de ça, dimanche, rajouter un événement. Ah oui! Bah non, c'est pas ça que je veux faire. On va pas enlever ce truc là. Ajouter un jour férié. On va pas le férié. Ah bah, je vais mettre ça. Soirée Netflix. Pour pas que j'oublie. Parce que voilà. Non, ça c'est jeu. Une émission romantique, ouais, peut-être pas. Juste quelque chose à la télé. Sportive. Qu'est-ce que tu veux que je mette? On va pas faire enlever ses vêtements, elle est censée faire ça avec ses gosses après. Bon, allez, un truc romantique, voilà. Soirée Netflix. Un truc qui revient tout le temps, hein. On peut pas le mettre qui se répète? C'est dommage. Je vais le mettre celui d'après encore, jour férié. Voilà. Donc je ne suis pas sponsorisée par Netflix, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça j'oublierai pas les deux dimanches prochains qui doivent regarder la télé. Alors? Ouais. Ouais. Compétence 2 robotique, brava l'Adonis, tout va bien. T'as qu'à t'habiller toi aussi, Poche trône. Je suis désolée, mais avec ses habits de cheerleader et en étant enceinte, c'est vraiment pas classe, quoi. On se croirait dans une vie... vieille série américaine. 3 pièces de hobo au pire récupéré. Super, tu vas chanter. Vas-y, tu vas chanter. Hop, faut travailler le chant. La gosse, elle pleure pas, on va en profiter. Alors, toi, qu'est-ce qu'il... Oh, pauvre Choupi, va pas bien. C'est quoi ces Sims relous? Franchement, on est d'accord, ils sont tous relous. Qui sont cons ces Sims. J'avoue. Ah, heureusement que j'ai pas vu ça tout de suite. Elios, t'aurais été modéré là. On laisse passer, c'est une femme enceinte. Ouais, elle a des envies bizarres, elle a comme se battre avec les gens. Je vous laisse pour les prénoms violine si c'est une fille. Ouais, pas de souci, je pense que ce sera dans les propositions. Tu sais, redonner le hashtag, c'est NotSoShirley.
Morado, violet en espagnol. J'aime pas trop Morado. C'est pas très jojo, je trouve. Ce sera Zinzolin. Il fera son zozo. Zinzolin fera son zozo. Écoutez la voix, elle a changé, je trouve. Merci, Banner. Raisin. Eh, voilà, changé. C'est pas la plus belle chanson du monde, mais... Vinas. J'avoue, Vinas. Elle a une belle voix. Bah, elle l'a passée au niveau 6, je crois, là. C'est quand les autres qui disent violine, ça passe, mais pas moi. Ah, tu vois, ça passe, là. Si tu veux, t'as deux Warden, deux decks qui disent de dire violet et Rowen qui disent finie. Lune. En gros, lune violette. Ah, c'est joli. J'aurais préféré que ce Rowen soit violet, en fait, pour pouvoir faire un diminutif, mais... Je vous laisse les chansons, vous avez remarqué. Hein. Bah, à part Prune, on dit toujours les prénoms plus ou moins rigolos. Continuons, j'avoue. La plainte a marché. Pruno, alors. Non, pas Pruno. Non, non, non. Ça ressemble trop à Bruno, qui est mon beau-frère. Donc, quand même, non. Juste non. J'aime bien Vinas. Le pauvre gamin. Après Bordeaux, il va s'appeler Vinas, tu sais. Tu sais, les trucs de boisson. Mais lui! T'entends pas que ta gosse est en train de chialer? J'ai oublié, moi. Cette pauvre gamine, elle est... Ah ouais, il y a une heure du mat. Bah, elle ira se coucher après, cocotte. Elle est passée, donc, au niveau 6 du chant. Effectivement. C'est bien, on avance, on avance. C'est bon? Nourris-la, tiens, comme ça, elle nous foutra la paix. Oh, il est mignon. Avec son petit pyjama, s'occuper de cette petite fille. Oh, qui sont beaux. Elle a la gerbe. La gerboise. Ça, c'est un sacré bidou quand même, hein. Allez, vous allez niquer. On va niquer. Histoire de lubrifier le passage pour le bébé. Bah là, elle va pas, elle va y passer au... Il reste un peu plus de 24 heures, là. Avant la sortie du four. Et puis la machin, elle va grandir, là. Elle va sauter du berceau. Elle, à quelle heure elle est née, déjà, les enfants? Vous vous souvenez? Je me souviens plus, moi. Ah, bah tu hurlutut, ça marche pas. De Darwen, c'est F. Ouais, non, mais j'ai reconnu, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'est un peu trop long, en fait, tu vois. Et je trouve que c'est plus joli Arwen, comme dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, que De Darwen, parce que c'est un peu long aussi, puis c'est... Bon, bref. Cassie, Cassis, Malvina, Lila. Mais automode, tu relues, tu... Lila, c'est ma belle-mère. C'est vrai, mais c'est joli, Lila. Cap de faire 5 enfants à nuage. Maeva. Maeva. Pour Mauve? Peut-être, ouais. Qu'est-ce que tu fais à 3h du matin? Tu vas pisser, toi? T'avais une envie... Elle va coucher après, hein. Va faire dodo. On va voir. Le bédou, regardez-moi. 3 minutes. Clac, 3h40 pile. Aïe. Dernier trimestre. Dans 24 heures Sims, on a notre réponse. En tout cas, dans le chat, ça n'arrête pas. Hein. Oh, je serai un bébé de Noël. Enfin, non, parce que c'est aujourd'hui. Oh, la ferme. Casse les burnes, non. Qu'est-ce qu'elle a, ce gosse? Chien, non.
Ta mère va se pisser dessus avec tes conneries. Et ben voilà. Trop tard. Allez, c'est la fête à l'estafette là. Tout le monde se pisse dessus. Maman, oh putain, hé, c'est... Oh, la flaque. Mon dieu, mais mes nuages. Je sais que tu es un nuage et que tu lâches beaucoup d'eau, mais quand même. C'est quand même beaucoup là pour le coup. Heureusement que c'est bleu, hein, c'est gris-bleu. Hein. Vous imaginez s'il pissait qu'il y a une flaque jaune. L'angoisse. Elle va chanter sous la douche. Du coup, tu travailles pas aujourd'hui? Si, je pense qu'ils peuvent aller bosser. Est-ce qu'on l'a fait bosser ou pas? Sachant que la jauge, elle est encore loin, hein, donc je suis pas sûre qu'elle ait la promotion, de toute façon. Ça sert pas à grand-chose. Va manger maintenant, cocotte. Tu feras une petite sieste plus tard. Voilà. C'était un gros pipi. C'était un très très gros pipi. Boule, c'est bien pour Noël. Ah bah salut Elios, à bientôt. Bah demain, il y a pas de live demain. On a failli appeler notre fille Lila, mais Lily l'a emporté. Lilo, bah ça pue, ça peut moins. Mais Lila, j'aime bien moi, Lila. Je surnomme ma fille Bouli. Oh, la pauvre. Boule ou boulette. C'est vrai qu'il va falloir décorer. Allez, on décore. Hop, chlouk. Voilà, regardez ça. On est content. Va falloir qu'on sorte le sapin de Noël. Le sapin de Noël, est-ce qu'on en a un dans l'inventaire? De toute façon, à chaque fois que j'en mets dans l'inventaire, ils sont pétés du cul. Et oui, je suis vulgaire. On va aller voir ça. L'inventaire de famille est plein à craquer, hein, de tout et n'importe quoi. Et on n'est même pas à la moitié du challenge. Non, on n'a pas de... Alors, on n'a pas de place, nous, hein, dans cette maison. Alors, on va mettre ça là. Voilà. On va mettre le sapin ici. C'est très bien. Ça, c'est vachement des décorations de Noël. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on va mettre en déco? On va du coup aussi inviter bah, la famille. Hein. On va faire un petit dîner, tout ça. On va inviter les sœurs. Tout ça, tout ça. Ça va, Titi? Tu veux dire bonjour? J'ai cliqué, Jean-Claude. Merci. Alors. Ouais. Ouais, si. Hop. On met des trucs comme ça. Voilà, on a décoré la maison. Faut exagérer, hein. On peut en mettre 10 000 trucs, hein. Ça dure que 24 heures, hein, chez les Sims. Voilà, regardez, ils sont heureux. Ah là là, c'est décoré, c'est vraiment très beau, Shirley. Je sais. Merci. Eh, pardon. Bon alors, ma chère et tendre... Toute ma famille appelle ma cousine Boulette parce que c'est la dernière de la famille, un vrai boulet. Oh, c'est pas gentil. Moi, ce quand elle était petite, comme si elle était grande, elle dormait en boule sur nous. Oh, trop choupi. Est-ce que ma fille faisait des petites boules de crotte quand elle était bébé? Merci, Bothilde, pour le follow. Bienvenue à toi. Alors... à votre avis, je l'ai fait aller bosser ou pas? Est-ce que je l'ai fait aller bosser aujourd'hui? Sachant que c'est pas obligatoire, je crois. Ouais, c'est carrément pas obligatoire, donc... Oh la dégueu! Elle arrête pas de larguer des broutes. C'est une cracra. Faire cracra dans le placard. Chanter, j'entends... Ah oui, tu vas chanter! Maisy grow crayba. Fringle zibs, fringle zibs, fringle all zilorm.
snore. J'adore. Discuter d'hydratation, ça doit te faire monter ta compétence comme ça. Chanter une chanson du jour férié. Kabamuni Hitch. Fringle zips. Fringle azalorm. Brink of Lenobo. Barsip Neebs. Lavar. Anubu? Orsoy. Sina. Pledge. Allez, vous allez devenir meilleurs amis. Ils sont mignons comme des croupions, ceux-là. Oula, oh oula, oh ils fusionnent. Ça fait peur à chaque fois cette musique. À chaque fois que je l'entends, je fais des bons. C'est quoi ce ventre? Qu'est-ce qu'il y a, lui, il est malade? Hein? Vas-y, tu vas lui rouler une palo, un petit palo. Et pipi. Bon, du coup, je les envoie pas au travail. Confinement pour les Sims aussi. Alors, merci Botil, c'est gentil. Oui, au charbon. Non, c'est Noël. Non, non confinement. Désolée, Sianana. Elle pète comme sa sœur Perle. Bah, j'avoue. Hein. En même temps... Alors, on va le faire dormir un peu. Toi, tu vas aller au pipi aussi, parce que ça pousse sur ta petite vessie. Hein. Voilà. On va la faire bosser hein, aujourd'hui. Ah, elle peut plus. Ah, c'est au dernier trimestre. Hein. Vous me l'aviez dit, mais... Ah, parce que s'il dort là, si elle chante, ça va être chiant, mais bon, tant pis. Il ira dormir ailleurs, et puis c'est tout. Hein. Il fallait se bouger avant. Elle a eu le temps d'arriver, alors que... Ah, elle a grandi! Ah! Ah! Prune a vieilli! Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en trait? Alors, génération prune, il n'y a pas vraiment de violet là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette pour prune? Dans la boîte aux lettres, il y a des cadeaux de Noël. Où est-ce les cadeaux d'anniversaire de prune? Des cadales. Popage de bambin, j'avoue. La moustache. Effectivement, est-ce qu'elle va avoir de la moustache comme sa mère? Alors, indépendant, pot de colle. Faut que ce soit... Ouais, je sais pas. Dynamique, charme. C'est bien, vous êtes pas du tout en accord. C'est cool, ça m'aide vachement bien. Il y a personne qui dit au moins deux fois le même trait. Alors, qui n'a pas encore dit pénible et angélique et curieuse, tant qu'on est... Moi, je dis prune choisie. J'avoue, prune. Tu préfères quoi? Allez, vas-y. Vu que c'est ton... Vous avez le même nom. Je rappelle, il y a une prune dans le chat, donc... Curieuse. Finesse, dynamique. Allez, c'est parti. Prune a choisi, puisqu'elle a le même nom. Ah bah, il peut dormir alors qu'elle chante à côté. Bon, de toute façon, je... Ouais, voilà, la déception est là. Hein. La déception est là, les yeux marrons. Donc, ne me parlez même pas. Je veux... Celle-là, ce ne sera pas mon héritière. Je vous le dis direct. Hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est exactement en trichant, en la faisant grandir... Dans une autre partie, j'ai pris le choyer. Bah, elle avait les yeux marrons, donc ça se confirme. Donc elle va être moche. Elle va être moche, hein, je vous le dis tout de suite, prune va être moche. Je la fais déambuler parce que comme ça, elle gagne et puis elle pourra descendre et monter les escaliers sans qu'elle nous casse les pieds. T'es pas guéri, toi? Tiens, tu peux t'occuper de ta morpionne? Je suis déçue, hein. Moi, je vous l'ai dit que j'allais être déçue. Hein. C'est à cause de qui, là, de Marie? C'est Marie et sa Sims de merde, là, Macy, qui a empoisonné le sang de ma lignée. Et les œufs marrons se transmettent. Voilà, voilà. Elle aurait pu avoir les yeux... Eh oui, mais... Croise les doigts pour le deuxième, hein, maintenant, parce que... Quand tu cliques sur la boîte aux lettres, tu fais un truc, recevoir des cadeaux de la famille ou un truc comme ça. Ta gueule. Vas-y, déambule. Casse-moi pas les pieds.
Pendant qu'elle chante. Oh, vas-y bidou. Chit-c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 hit
Mini est en tenue de soirée. Perle est en tenue de sport. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vas pas péter de la neige, non? Tu crois pas que c'est le moment idéal? Va faire le sapin. Décorer guirlande, ruban rouge. Allez, décorer. Décorer. Ornement. Jaune et blanc. Allez. Oh là là! Alors déjà, il y a. Regardez Mini. Mini, elle est ultra sclému. Laisse béton. Là-haut, ça dort. Elle a bientôt fini sa sieste. Elle n'a pas beaucoup récupéré. Hein. Après, elle va mettre bas. Hein, donc, voilà, elle a mis sa super tenue. Tu pourrais mettre. T'as pas une autre tenue un peu plus sympa? La tenue de fête? Je t'en ai mis qu'une. Ah! Bah écoute, tu vas rester comme ça alors. Hein? Regarde, petit machin là. Ta petite nièce. Allez, va voir le bambin. Vous êtes obsédé. Ah bah, Perle, elle est là. Remerciez d'être là. La perloute est là. Oh punaise, ça s'est réveillé aussi là-bas. Oui, ça. Je l'appelle ça. Parce que c'est moche. Ça va, Quentin. C'est la fête. Et ce jeu me prend la tête. Lui, il est tout bien habillé. Il est tout choupinet. Ah bah d'accord, il y a une contre-soirée dans la salle de sport. Ok. Non mais vous pouvez... Voilà. Alors tu vas pas proposer de toucher le bébé, mais tu peux les remercier d'être là. D'ailleurs, les trois filles qui ont les cheveux gris se sont mis en couple avec trois garçons qui ont les cheveux noirs. Voilà. C'est rigolo, hein. Et Soul. Ouais. Bon, allez, vas-y. Parle. Ils sont buggés. Bah, lui, il arrive aussi. Oh, ils sont moignons. Hein. Mini, elle s'est pointée juste pour faire du sport. Elle est énergisée, ça vaudrait trop le coup qu'elle s'entraîne là. Mais elle peut pas. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez les meufs, venez discuter ici. Quand même. Puis tu vas annoncer le grand repas parce que il est 21h et que ça fait faim. Et toi, tu peux parler à ta cousine? Eh ben non. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais sale prune. Oh. Je peux pas bouger. C'est à combien qu'il y a deux mouvements qui peuvent enfin parler? Tu sais, quand même. Tu peux pas descendre. Ah. Être appelé à table. Oh, tu me gaves. T'as fini tes poivrons? Oui, elle a fini ses poivrons. Ça me saoule. J'ai pas envie d'aller la chercher. Oh, quel beau sapin! Oh, les Père Noël! Oui. Philippe Morin. Magnifique. Tu peux allumer le sapin, mais mets pas le feu. Voilà. Tu peux te présenter, Mais pourquoi ils vont tous manger dans la cuisine, ces idiots? Oh, j'en ai marre. Il me saoule. C'est Sims, j'en peux plus. Tu peux plus déambuler, toi? Ouais, saleté. Toujours la compassion. Oh, je suis choquée. Mais il s'est barré? Le père Fouetta, il s'est barré?
Mais quel enfer! Mais quel enfer! Et toi, t'as même pas pris à bouffer! Je sais, j'ai compris qu'elle avait vieilli, hein, c'est bon, hein. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Oh là là! Elle va se pisser dessus. Oh! C'est quand on va monter le plat pour qu'elle bouffe, elle? Tiens, saleté, mange. Mange et tais-toi. Qu'est-ce que je fais? Oh! Mais quoi? Mais elle a recraché ses poivrons! Mais c'est quoi cet enfant de Satan? On voit que t'adores les enfants. Ah non, mais en plus, je sais qu'elle est moche. Donc je suis déjà déçue. Enfin, je suis déçue, tu vois. Donc, bon. Y'a rien qui va. Mais pourquoi vous mangez dans la cuisine alors qu'il y a un super truc là? Mais cocotte, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Va dormir là, je sais pas. Quand même. C'est un enfer. Discuter. Elles ont ses boobs. Mais regardez-moi ça, la famille méga boobs. Et elle va pas tarder à mettre bas là, hein. Deuxième enfant. Mais bon, tu bouffes toi? Ouais. Et hop, frigo. Je vérifie si je l'ai bien mis dans le frigo. C'est bon. J'ai plus de patience avec les gosses. Je peux plus. C'est à deux le mouvement qu'ils peuvent descendre, donc c'est bizarre que tu n'y arrives pas. Ouais, bah c'est ça. C'est pareil, faut pas. Moi j'en sais rien. Ils veulent pas avoir affaire à moi. La famille Mega Boobs. Comment s'embrasser les mains, Adonis, c'est ta belle-sœur quand même. Tant pis, hein. Ce sera un Noël complètement raté, hein, mais on s'en fout. Il n'y a pas eu de cadeau. Mais si, il y a eu le grand repas, pourquoi il le valide pas? Putain, mais le père hiver, il s'est pointé deux secondes, quoi. T'es bon? T'as bouffé? Mais on va te coucher. Qu'elle a fait ouais. C'est les poivrons magiques, hein, ici. Vous connaissez le haricot magique? Chez nous, c'est le poivron qui est magique. Elle va te coucher. Oh bah regardez, elle a déjà un truc violet. C'est rigolo. Ouais, t'iras pisser, toi. Aller faire la vaisselle. Cocotte, tu peux te réveiller? Tu vas parler un peu à tes sœurs, sachant que tes beaux-frères, je sais pas où ils sont. Bah tout le monde se barre, allez. Va te coucher. Va te coucher. Il y a le deuxième qui va pointer le bout de son nez, donc dans pas longtemps là. Bah dans moins d'une heure, Sims. Il lui fait la vaisselle. Ah, Perle a décidé de faire les prolongations. Elle a envie de voir son petit neveu ou sa petite nièce arriver. Être la première à écarter. Prune toujours vénère. Oh, saloperie. C'est sûrement un bug. J'ai eu ce bug et je l'ai fait. Gestion du monde pour revenir dans la partie. Revenir. Ouais, non, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon, hein? Ah oui, il est en train de se récupérer toutes les assiettes du monde entier. Et voilà. Le bébé. Vas-y. Allez! Je sens que je vais être déçu, hein. Je vous le cache pas. Qu'est-ce que c'est? Mais prune. Perle, t'es pas obligée de rester, hein. C'est bon? Bah viens accoucher alors. Hop. Attention les enfants. Numéro 2 is coming. Bébé prune. Oui si, bébé prune, parce que c'est la génération qui est prune. Et je suis bon, comme la première s'appelle prune. C'est comme si à la génération gris, on aurait appelé grise. Et la génération jaune, on l'aurait appelé jaune. Remarquez, c'est moins compliqué pour les prénoms, hein. Mais bon. Qu'est-ce
si elle vient faire, elle. Mais qu'est-ce que tu viens faire, Perle? Quand je vous ai dit qu'elle voulait, elle voulait écarter pour voir le bébé arriver, je vous mentais pas. Mais ça va pas bien, non? Tu vois pas que ta sœur est un peu occupée à mettre bas? Boy or girl, eh bien. Je sais pas, je sens le garçon. Vous pensez que c'est quoi, vous? Perle, bouge ton cul. Arrête, elle va nous péter dessus. Regarde, on est vachement à côté en plus, donc ça peut faire mal si elle nous pète dessus. Salut Citizen, tu vas bien? Écoute, t'arrives au meilleur moment, ça y est, elle vient de mettre bas et on sait pas encore si c'est fille ou garçon. Pronostic, fille ou garçon, les enfants. Camille, elle dit un garçon. Anaïs, une fille. Moi, j'ai peur de la déception, hein, donc c'est pour ça que je suis partie sur un gars. Garçon, gars, fille. Ok, vous êtes... Personne n'a dit que c'était un alien, je suis étonnée. Ah, il y a une majorité de garçons quand même, hein. Salut Lolo. On dirait qu'elle a des poils qui dépassent de la culotte. Oh, oh, oh. Ah, mais en même temps, elle avait de la moustache étant bambine, donc elle continue à avoir de la moustache, hein, si tu vois ce que je veux dire. Allez. Eh ben, c'est une fille. Eh ben, il est temps de voter. Pour de voter. De faire les propositions de prénoms déjà pour que je fasse le petit Stropole. Donc je pense que de toute façon, je crois qu'on est parti sur Améthyste. Améthyste. Qui est un peu long. Améthyste, Lila. Que j'aime beaucoup. Je vous dis, je vous cache pas. Mais si elle a les yeux marrons, elle sera pas élue non plus, hein. Et violine. Ça vous va? Hyacinthe. C'est un peu bizarre, Hyacinthe. Violine, violette. Viola. Tout ce qui est à base de viol, il aime pas l'automode. Hein. Lavande. Ah, oui, lavande, pourquoi pas. Lavande, c'est joli. Oh, zut, une fille. Bah non. Allez, on part sur 4 alors. Et l'avance, je vais marquer. Ok, créé. Pour voir les résultats. Oh putain. Oh non, vous avez pas voté pour Lila. Vous êtes dégueulasse. Donc ce sera un deuxième vote entre Violine Améthyste et Lavande. Puisque bah, c'est vraiment au coude à coude. Donc il faut départager. Les 4 votes de Lila iront ailleurs. Donc je refais un Stropole. Si vous n'avez pas voté, c'est trop tard. Voilà. J'ai eu ce temps de voter, bah désolé, je bossais sur mon dé. Pas de soucis, non mais c'est pas de soucis, c'est pour ça que je vous laisse un peu plus de temps. Et on va regarder les résultats, j'ai peur. Oh, Lavande, vous êtes sérieux? Lavande, j'aime... Bah si, à la base j'ai trouvé ça joli, mais... Bon bah Lavande alors, je suis tristesse, hein, mais bon c'est Lavande, voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Bah tant pis. Ah, le jeu il veut pas. C'est Lila, là il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, j'avais dit. C'est Lila. Et ce sera elle l'héritière. Voilà, c'est comme ça. Je vous ferai plein les pieds. Et je lui changerai les yeux exprès. Oh putain, même mes chats, ils ont eu peur. Oh, vous vous demandez.
demandez souvent quelle tête je fais quand je vois que c'est des jumeaux, bah... Voilà. Oh putain! Mais non! C'est trop ouf! Au moins deux prénoms à lien. Tout à fait, en fait, c'est ce que je me disais, Bigimi. C'est que si c'est jumelle et que je mets Lila, l'avant des Lila, franchement, ça colle bien. C'est bon, il y en a que deux. C'est, par contre, trois. Oh! T'as pas de berceau? Il est où le berceau? OMG! Oh, trop d'émotions. Maintenant, je vais avoir des jumeaux dans toutes mes parties. Ça va être un truc... Ça va être un running gag, en fait. Hein. C'est au moment où je m'y attends le moins qu'il va y avoir... Qu'il va y avoir des jumeaux, quoi. Et du coup, meuf, il est où le berceau? Ils ont fusionné, les berceaux? Parce que là, il y a déjà un bébé dedans. Oh, des jumelles. Ah! On a eu un monstre. C'est pas des jumelles, c'est un monstre. Regarde. On a eu une araignée à la place d'un bébé. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est des siamoises. Oh, c'est horrible. Oh non, j'en peux plus. Oh, regardez cet enfer. L'enfant des enfers. Tu as quatre bras et quatre jambes. Et tu as deux bouches. Oh putain, c'est quoi ce mot, cette chose? Ah non, mais il y a un petit problème, hein, là. On a un jeu qui bug de malade, hein. Écoutez, avant que ça parte en couille, moi, je sauvegarde. Parce que j'ai eu des jumelles et j'ai Lila. Donc, je suis contente. Voilà. La chanson de Tosha. Ok, Switzen. Bon, on fera ça après. Qui est pas de petit mec, en plus on a trouvé un super prénom. Oh, attendez, mais là c'est vrai que ça fait trois enfants pour la succession, j'avoue. Ah mais souvent, de toute façon, j'ai un souci pour vous dire quand j'ai des Sims qui accouchent, j'ai le berceau qui se dédouble tout seul, en fait. C'est-à-dire que même s'il y a qu'un seul bébé, j'ai deux berceaux en un. Et je pense que c'est le cas, mais que là, comme il y a eu un bug, il y a vraiment les deux bébés dans un, quoi. Putain, mais par contre, je vais pas arrêter de faire des photos de cette horreur, hein. C'est pour la science, hein. Je vais envoyer ça au Sim Guru. Je vais dire, mais regardez ce que ma Sims allait accoucher. Un monstre. Je ne savais pas que dans les Sims, on pouvait avoir des monstres. Ben voilà, on a une araignée. J'en peux plus. Je vais peut-être les mettre, vu qu'elles sont deux, dans la chambre des parents. Hein. Parce que la première, là, elle va faire la gueule. Hein. Je veux dire ça comme ça. Ils ont été griffés. Ils ont été greffés, j'avoue. Lila et Lavande ont été greffés. Regardez, voilà, ça s'est dédoublé. Ça ne m'étonne pas. J'ai souvent ce bug-là, moi. Et voilà, en plus, et j'en ai deux en cadeau. Ah! C'est logique, hein? J'ai eu trois berceaux en cadeau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez moi. C'est toujours comme ça. Voilà, comme ça, le monstre, là, la mocheté, là, elle va dormir. La mocheté, elle aura son lit. Et voilà, et les jumelles, les jumelles commencent déjà à hurler et m'énervent. On pourrait être à rude épreuve, encore une fois. Oui, j'ai le lien des règles, t'inquiète pas, je vais te les donner. Tac. Et tac. Ah mais... Sacré... Ah non mais ça je l'ai souvent, mais jusqu'à 3 berceaux en plus, non. Rarement.
de berceau. C'était 4 berceaux en un même. Le truc hyper flippant. En ce temps-là, il y en a un qui roupille. Hein. Il n'y a rien à foutre. Hein. Eh, salut Perle. Hein. Merci de ta présence. De nous avoir assisté pour cet accouchement douloureux. Ah, punaise, j'en reviens pas. Attendez, c'est laquelle du coup? Ça, là, c'est lavande. Lila. Bon, Lila, je pose. Je mets, mon espoir est entièrement sur toi. Hein. Bon, bah, t'as bien bossé. Tu peux retourner te coucher. Voilà. Comme ça, les petites choupettes, eh ben, elles sont carrément tout près du feu. Hein, elles vont pas crever. Ah, bah. Regardez, elles sont mignonnes comme elles dorment. Mais pourquoi tu t'es réveillée, toi? Il a eu la panique préparentale. Bah c'est trop tard, elles sont là maintenant. Bon, je vais pas les réveiller parce que sinon, elles vont hurler. Il est... Oh, j'en peux plus. Oh là là, mais j'ai des jumeaux tout le temps maintenant, c'est incroyable. Hein. Ça ne fournit pas d'infinir. Ça le fait aussi à toi. Reste plus qu'à faire le garçon. On va attendre qu'elle soit bambine. Hein. Parce que des jumelles, c'est toujours compliqué. Hein. J'ai toujours du mal, moi. Attendez, j'ai eu des jumeaux dans le Decades. Il a fallu longtemps, mais j'en ai eu. J'ai eu des jumeaux dans Lord of the Dead. Non, non, mais c'est trop bizarre, quoi. Avant, j'avais jamais de jumeaux. Vous me croyez pas, après, quand je vous dis que j'ai pas de jumeaux. J'ai eu des jumeaux dans les trois parties. C'est incroyable. Bon, il manque plus que le richissime archéologue, mais bon, je ne sais pas si je vais lui faire une famille. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Ah bah, il va aller bosser, hein. Ah, que d'histoire. Puis alors, comme je les ai nourris en même temps, elles vont chier en même temps. Ouais, bah, il est romantique, il est romantique. C'est bien. Tant mieux pour toi, mon petit. Eh ouais, c'est parti. Et voilà. Oh, à une seconde d'intervalle. Bon, bah, allez. Allez, retourne te coucher, va. T'as le droit à un peu de répit. Oh, puis alors elle va aller bosser, c'est avec ça va se barrer en garderie, les trois machins. Je vais être tranquille. Finalement, c'est cool. Comme elle travaille, et que je la... Elle peut, c'est que un travail qui est... je peux pas le faire à la maison, en fait. C'est pas une carrière semi-active. Bah, du coup, bah... Pas le choix. Les enfants seront à la garderie. Ah bah... Allez. Allez, ça hurle. Aïe. Ouais, bah t'attends ton tour, hein. Ah bah, elle redort. Parfait. Bah, c'est bien, ma petite nuage. Tu sais quoi? Tu vas chanter sous la douche, tu vas aux toilettes, tu vas manger. Et t'es pas censé bosser, toi? Ah non, elle bosse pas. Ah bah, tant mieux. Elle pourra... Enfin, ou pas, malheureusement. Et donc, on a cette chose... Hein, qu'il va falloir... j'ai faim. Vas-y, tu casses les couilles. Qu'est-ce que c'est? Prévoir une tenue. Allez, vas-y. Ça, on va pouvoir enfin la relooker, parce que depuis tout à l'heure, vous m'en demandez de la relooker. J'en ai super souvent des jumeaux, par contre, j'ai jamais eu de triplé. J'en ai eu qu'une seule fois, mais des jumeaux, j'en avais vraiment jamais, quoi. Vraiment, ainsi dire, jamais. Il fallait que même avec le trait de terrain, alignement cosmique, j'en avais pas. Sans le mon Ugly to Beauty, j'avais mis exprès pour avoir plus d'enfants et plus de choix. Ben, c'était pas certain que ça marchait. Hein. Bon, là ça va encore, hein, mais elle est moche en vrai. Bon, avec ses yeux dégueulasses, ça on n'en parle pas. Par contre, les cheveux noirs, ouais, bah de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ça, il n'y a pas les cheveux. Il n'y a pas les cheveux. Pff, ouais, bon, écoutez, on va la faire comme ça. Et donc, on va choisir en couleur. On va aller vite, hein. Je n'ai pas... envie de faire 10 ans dessus. Mauve, voilà. Regardez. Oh, il y a plein de tenues. Bah, ça, c'est bien. Alors, on va te mettre ça. Et Babou, il est beau. Y'a rien qui est en raccord, quoi. Hein. Alors, on va te mettre des collants. Oh, d'accord, t'as pas de collants. Voilà. Plus l'orange va avec ses couettes. Parfait. En deuxième tenue.
Oui, alors bien sûr, j'ai les trucs du Jordan Lady, on s'étonne pas. Papapam pim poum. T'as pas l'inverse? Ouais. Ouais, bah écoute, comme ça, c'est bien. On va te mettre des chaussures vertes, du coup. Pour que ça aille. Peut-être des chaussures de là. Putain, mais... Il y a tellement rien pour les bambins, moi, ça me déprime. Super! Nickel! Allez! Sors, on s'en fout. Le dodo. Le dodo, il a déjà le haut. Ah ouais, mais moi j'aime pas parce que ça. Ça cache. Ça va être ça. Et tu vas te mettre le bas. Aussi. Voilà. Temps chaud, on s'en fout parce qu'elle, il fera jamais chaud quand elle sera bambine. Oh, super! Et temps froid. Hop. Et puis on va lui enlever les. Voilà, les relookés. C'est rapide. Cette tenue, mes yeux. Ce haut, c'est une fille. Tout terrain marche super. Ouais, t'es trop méchante. De quoi je suis trop méchante? Mais elle est moche. Je l'ai fait grandir en fait, Marie. C'est ce que j'ai dit, c'est que. J'ai fait comme crime, j'ai fait grandir sur une autre partie en adulte et j'ai vu la tronche qu'elle avait. C'est pour ça que je sais qu'elle est moche. C'est pour ça que je peux pas l'aimer en fait. Alors les jumelles, c'est lavande et lilas. Voilà. Ça matche bien en plus, donc je suis super contente moi. Voilà, elle est relookée. Bon, tu peux descendre maintenant ou pas? Tu vas aller, qu'est-ce que c'est? Oh putain! Eh, pile quand. Oh bah, vous allez gueuler, hein. Ça va, ma cocotte? Ma nuage! J'espère que tu donneras pas tes yeux à ta saleté de. Tes saletés de gamine, hein, moi je te le dis. Hein. Trois filles, hein! Tu veux quoi? Ah non, c'est pas au biberon, c'est à l'été, c'est vrai. À l'été. Ah bah alors là, la compétence éducation, elle va grimper en flèche avec des jumelles, hein, moi je vous le dis. On aurait pris midi, on aurait eu des gamins top modèles. C'est possible. Ah oh, tout est multiplié par deux, hein. Et compétence 5, éducation, en ne faisant absolument rien. Elle est où l'autre là? Ah bah ça y est, elle a enfin réussi à descendre. Formidable. On va pouvoir lui donner à bouffer. Alors tu vas pouvoir donner à manger. Un bon petit rôti de porc. Allez. Prune, voilà, c'est là. On va faire ça bien pour une fois. Qu'est-ce que... Ah non, par contre tu viens pas faire la zinzin dans les chiottes, hein, je te le dis. Au doigt et à la baguette, hein, je vais te dresser. Hop, tu vas ranger. Bien sûr, elle va aller à l'autre bout de la baraque pour manger. Et après, c'est le pot. Ouais, encore une promotion pour mon petit Adonis. Regardez, il est toujours aussi heureux de vivre, hein, il est toujours aussi bourré. Ouais, bah toi, t'arrêtes, Mini, nous harceler, là, ça suffit. J'ai pas lu. Il a été promu apprenti en algorithme et gagnera désormais 10 simflous de plus par heure, soit 38 simflous de l'heure au total. Il a également reçu un bonus motivateur de fête expérimentale, motivateur de révision expérimentale et 500 simflous. Et ben, c'est super, Adonis. Super, je suis contente pour toi. Tu es en quel stade maintenant de cette promotion? Oui, 3, ça va, on n'est pas très très avancé. Tu vas prendre une douche et puis tu iras manger. Voilà. Pendant que Cocotte Minute, là, elle va aller chanter. Voilà. En attendant que la gosse, elle finisse de manger. Et mon doudou, il a faim. Je vais très en avion rapide, j'avoue. Crime a un certain talent pour la génétique de Cécile, faut reconnaître. Oui, j'avoue. Bah après, moi, j'aime pas tricher en faisant genre, bah, qu'est-ce qu'ils vont donner avant, tu vois. Moi, j'aime bien avoir la surprise. Sauf que là, la surprise, pour elle, elle est un peu mauvaise. Après, je sais pas, parce qu'elle me dit que c'était 100% vrai à chaque fois, de bébé. Donc on ne voit rien, que voilà. Mais écoute, pour l'instant, rien qu'avec les yeux, ça se vérifie, donc... Malheureusement.
Là, elle met 10 ans à poser. Elle s'est chiée dessus. Ouais, c'est trop pire. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que c'est? Zabalo. Voilà. Tu vas qu'est-ce que c'est à peu près toute la baraque. Comme ça, pendant ce temps-là, on a la paix. Qu'est-ce que c'est? Non, tu peux pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? Ah non. Oh, lui, c'est Dieu. Oh, je vais me taper une petite sieste. C'est pas comme si j'avais accouché de jumelles, hein. Bah non, faut pas déconner. Ah, ça, elles sont réveillées, tes gamines, là. Va leur parler et leur faire des câlins, quand même. Par contre, elles sont vachement blanches par rapport à leur sœur. Prune, elle était un petit peu plus foncée, il me semble, mon bébé. Après, lui, n'étant pas non plus noir, forcément, elles sont diluées, on va dire. La couleur de la peau est un peu plus diluée. Pour la carrière fitness, il te faudra aussi le charisme à 10. Oh, bah super. On n'est pas dans la merde. Mais chante, toi. Hey. Mais en plus, je crois que je le sais, ouais, parce que je suis au niveau 4. Salut Nani, comment tu vas? Vas-y, prune, joue avec les coutales. Ah, t'étais déjà là, Nani? T'as pas... Je t'ai raté? Oh, c'est bon là, papa. Au lieu de regarder, d'admirer les tableaux, tu peux laver ta fille. Allez, je sais, c'est à elle de faire la compétence éducation, mais c'est bon. Elle vient de pondre deux gamines. Elle peut prendre du bon temps. Hein. D'accord, ok, très bien, pas de soucis. Oh merde, c'est cassé. Oh, c'est cassé comme le steak. Vas-y, contacte service de réparation. On va pas te faire bosser, hein. Et tu vas faire une petite course d'endurance. Allez, et entraînement. Voilà. Pendant que papa, il s'occupe de ses gamines. Et dire qu'avant, quand la première est née, je m'attendais à un garçon. Et en fait, on a eu deux filles. Ça va, Dodo? Il se les choue, les patounes. Allô? Regardez-moi cette tête. Vous allez pas me dire que ça peut être joli et héritier. Hein? On est d'accord? Là, on dirait que ses yeux sont pas de la même couleur que sa mère. Ils sont plus clairs. Non? Non, c'est une fantasmagorie de ma part, ça. Si seulement. Mais oui, Loulou, je sais que t'as faim. On va finir et puis tu pourras manger. Hein? Parce que là, on est à combien d'enregistrements? Oui, on va finir. On va peut-être finir sur cette journée-là. On aura déjà eu pas mal de sensations. Hein? On va pas se leurrer. Oh, le jeu, il rame un peu. Hein. Tiens, un petit peu ramé, mon petit jeu. C'est vrai que c'est juste après mon accouchement. Le seul truc que j'aurais eu, c'était un karaoké. Eh, mais c'est les Sims, tu sais, hein. La gueule de psycho qu'elle tire là. Ouais. Lui, il en peut plus. Hein. Il voit sa petite fille à poil, il est en chaleur. Hein. C'est un peu flippant quand même, non? Voilà, regarde. Bah, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Va jouer? Ah, je t'ai pas mis de cube. Oh, bah, il y a plein de jouets là. Vas-y, joue. Vas-y, joue. Lui, il est claqué. Hein. Tu veux pas parler à tes filles? Vas-y, va parler. Va parler. Va parler à tes filles. Va parler. Niveau 3, éducation. Imagination. Ah,
Ah, j'ai eu peur là. J'ai dit, pourquoi je vois Mini qui est marqué Grey? Je comprenais pas là, j'avais un bug. On s'en fout, t'es notre ex, toi. Ah, bah ça y est. Il a fait pleurer les gosses. Il a fait pleurer les gamines. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elles ont? La stéréo. Oh, il y en a une qui a la couche. C'est le bonheur. C'est la couche. Mais si, il y en a une, c'est la couche et l'autre, le biberon, ça va être inversé, hein. Ne inquiétez pas, hein, ça veut dire que... hein, bon, il faudra les deux à chaque fois. Oh, l'angoisse! Faudra te faire bosser du sport aussi, toi, hein. Niveau 8 en fitness, nuage! BG. Ah, mais t'es toujours pas énergisé! Je voudrais te faire énergiser. Vas-y, va prendre une douche tonifiante. Ça, tu sois énergisé. Pour faire repousser ses limites. Yes! Allez. Pourquoi je fais ça? C'est pour sa... mon aspiration, hein. Repousser ses limites dans une heure en étant énergisé. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Mais tu sais pas t'occuper de tes gosses ou comment ça se passe? Oh putain. Ouais, j'avais dit. Elle, c'était le biberon et elle la couche. Maintenant, c'est elle le biberon et c'est elle la couche. Oh mon cœur. Toi, c'est quoi? C'est le biberon, tu veux? L'enfer. L'enfer a-t-il une fin? Voilà. T'es content, hein? Allez, elle va te coucher. Oh yes, elle a validé. Faire 10 heures. Faire de l'exercice pendant 10 heures. Ah oui, d'accord, on est au dernier truc, mais je l'ai déjà fait depuis bien longtemps quand même. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? J'ai froid. Bah, si tu sors, forcément, tu vas avoir froid, hein, espèce d'idiote. Va te coucher. Hein? On n'a pas de temps à perdre. Tu sais marcher? Bah, t'y vas tout seul. Oh là 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 là! Quelle histoire. Bon, tu as validé, t'as tout validé, cocotte? Bon, tu vas t'arrêter là, alors. Et hop, un petit prout. Mine 2, hein. Et tu vas aller faire ton petit caca là-bas, alors. Et puis t'iras te coucher. Et on pourra s'arrêter là, je pense. Oh, putain. Bah non. J'ai parlé trop vite, et s'il y en a une qui se réveille, c'est que l'autre aussi. Sauf que je ne sais pas ce qui la réveille. Elle vient d'avoir à manger, et sa couche... elle veut à la fin? Encore? Ouais. C'est maintenant, Lila. Bon, bah, ouais, on va se coucher. Allez, go! Dodo! Pour nuage! Je ne veux plus rien entendre maintenant. Les gosses dorment, ou du moins presque. Plus personne ne moufte. Je sauvegarde. Et je vous remercie, YouTube, d'avoir regardé cette rediffusion pleine de rebondissements, n'est-ce pas? Avec des jumelles. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite d'une autre sauberie ou d'autres choses. Salut !